L'Égypte des pharaons. Egypt of the pharaohs. L'Égypte est un pays au nord-est de l'Afrique. Il est entouré par la Libye, le Soudan et l'Israël. L'Égypte est bordée par la mer Méditerranée et aussi par la mer Rouge. Egypt is a country situated in northeast Africa. It is surrounded by Libya, Sudan and Israel. Egypt is bordered by both the Mediterranean and Red Sea. L'Égypte a un climat désertique, mais elle est traversée par un fleuve, le Nil. Grâce à ce fleuve, un empire d'environ 3000 ans a été créé. Ingénieux, les Égyptiens ont développé des canaux et des barrages autour du Nil pour une meilleure irrigation. Egypt has a desert climate, but the River Nile runs through it. Thanks to this river, an empire was created from around 3,000 years ago. The Egyptians cleverly developed canals and dams around the Nile for better irrigation. Chaque année, au mois de juillet, le Nil débordait et envahit les terres durant presque 3 mois. Cela fertilise les terres et permet de meilleures cultures. Le blé et l'orge permettent de faire du pain et de la bière. Différents légumes poussaient aussi. Each year, in July, the Nile overflows and covers the land for almost 3 months. This helps to fertilize the earth and improves the crops. Wheat and barley are used to make bread and beer. Different vegetables also grow there. C'est le pharaon qui régnait sur l'Égypte. Il avait tous les pouvoirs. Il était le chef religieux, il prenait des décisions politiques et était responsable des armées. Le pharaon était entouré de ministres et de conseillers. The pharaoh reigned over Egypt. He had all the power. He was the religious leader. He took political decisions and was responsible for the armies. The pharaoh was surrounded by ministers and advisors. Il était considéré comme un dieu, Horus, le dieu de l'ordre et de l'harmonie. Plus tard, le pharaon a été assimilé à Ra, créateur de la vie et dieu solaire. Le pharaon faisait le lien entre le peuple et la centaine de dieux existants pour les Égyptiens à cette époque. He was regarded like a god, Horus, the god of order and harmony. Later, the pharaoh was equivalent to Ra, creator of life and sun god. For the Egyptians, the pharaoh was a link between the people and the hundreds of gods that existed at that time. De nombreux temples pour vénérer les dieux ont été construits. Seuls les prêtres et le pharaon pouvaient y rentrer. Ces constructions montraient la puissance du pharaon. Numerous temples were constructed to honor the gods. Only the priests and the pharaohs could enter them. These buildings showed the power of the pharaoh. Mais il y a eu également des reines très puissantes comme Néfertiti, qui était connue pour sa beauté et son influence, ou encore Cléopâtre, son fils Ptolémée XV, qu'elle a eu avec Jules César, sera le dernier pharaon. However, there were also very powerful queens, such as Nefertiti, who was known for her beauty and influence. Or Cleopatra, her son Ptolemy XV, who she had with Julius Caesar, was the last pharaoh. Les personnes les plus puissantes reposaient dans des tombeaux qui sont les pyramides. On entreposait tous leurs biens et leurs richesses. Cela permettait aux morts de continuer leur voyage vers l'au-delà. The most powerful people were laid to rest in tombs that are the pyramids. They would store all their belongings and riches in them. This allowed the deceased to continue their travels in the afterlife. Les Égyptiens pensaient qu'il avait une vie après la mort, mais pour renaître, on devait préserver le mort de la destruction. C'est pour cela que la momification a été inventée. C'est un rituel qui permet de conserver le corps longtemps.
The Egyptians believed that there was life after death. But to be reborn, you needed to preserve the dead from destruction. Therefore, they invented mummification. This was a ritual that allowed the body to be preserved for longer. Toutefois, ces immenses pyramides ont été construites avec l'exploitation des hommes qui travaillaient dans des conditions très dures. 20 ans ont été nécessaires pour construire la grande pyramide de Gizeh, tombeau du pharaon Khéops. Cette construction est composée de 2 millions de blocs de pierre empilés en 200 couches. Nevertheless, these immense pyramids were constructed by man exploitation who worked in very difficult conditions. It took 20 years to create the Great Pyramid of Giza, the tomb of Pharaoh Cheops. This structure consists of 2 million stone blocks stacked in 200 layers. La vie du peuple était très difficile. Lorsque le paysan égyptien avait fini de travailler au champ, il devait faire des travaux forcés. Bien qu'il soit considéré libre, il devait payer des lourds impôts. Life for people at that time was very difficult. Once the Egyptian farmer finished working in the fields, he was forced to do hard labor. Even though he was considered a free man, he had to pay high taxes. Avec cette civilisation, de nombreux progrès ont été faits en écriture et en mathématiques. Grâce à l'invention d'un système de mesure, les Égyptiens ont pu construire avec précision d'immenses structures comme les pyramides. La forme représentait un rayon de soleil. Because of the civilization, great progress was made in writing and maths. Thanks to a measuring system, Egyptians were able to construct large structures like the pyramids with precision. Its shape represented a ray of sunlight. Vers 3150 avant Jésus-Christ, un système d'écriture a été créé. Les hiéroglyphes étaient gravés sur des stèles ou des poteries. Plus tard, une nouvelle écriture est apparue. L'invention du papyrus, qui est une forme de papier, a permis aux Égyptiens de développer leurs administrations et de diffuser leur culture. Ce sont les scribes qui faisaient ce travail. Towards 3150 BC, a writing system had been created. Hieroglyphs were engraved on stone tablets or potteries. Later, a new writing form appeared. The invention of papyrus, which was a type of paper, allowed Egyptians to develop their administration and spread their culture. It was scribes who carried out this work. Les Égyptiens pouvaient aussi mesurer le temps grâce aux mathématiques et à l'astronomie. Ils ont diffusé la journée en 24 heures et créé le premier calendrier de 365 jours dans une année. Egyptians could also measure time thanks to maths and astronomy. They divided the day into 24 hours and created the first calendar of 365 days in a year. Mais petit à petit, cette brillante civilisation a commencé à décliner. Il y a eu de nombreuses guerres et des chefs militaires étrangers ont pris parfois le pouvoir. En 31 avant Jésus-Christ, c'est la fin des pharaons, l'Égypte est devenue une province romaine. However, little by little, this brilliant civilization started to decline. There were numerous wars, and sometimes foreign military leaders took power. 31 BC marked the end of pharaohs. Egypt became a Roman province. À ce jour, la pyramide de Khéops reste la plus grande du monde. Elle est la dernière des 7 merveilles du monde antique à exister. Il reste bien des secrets à découvrir en Égypte, mais les archéologues continuent leurs recherches. Until today, the Khéops pyramid remains the greatest in the world.
It is the last of the seven ancient wonders of the world to exist to date. There remains many secrets to discover in Egypt, and archaeologists continue their research. N'oubliez pas de liker ou de t'abonner si cette vidéo t'a intéressé et merci de partager. Don't forget to like or subscribe if you found this video interesting. And thank you for sharing.